Ezan Akele, membre du bureau politique du PDCI-EDEA, est mort. L'ex-ministre des infrastructures économiques a tiré sa révérence dans l'après-midi du vendredi 1er décembre 2023 dans un hôpital parisien. Proche de l'ancien président Feu Henri Konan-Bédié, le ministre Ezan Akele a servi de nombreuses années au sein du gouvernement du premier ministre Daniel Kablan-Duncan jusqu'en juillet 1988. Ce nouveau deuil qui frappe le PDCI depuis la mort en août de son président Aimé Henri Konan-Bédié allonge la liste de personnalités du parti qui nous ont quittés ce dernier semestre de l'année. Stéphane Bracanon, membre du bureau politique décédé le samedi 12 août, ou encore le général Gaston Oussénan Kone, vice-président du PDCI-EDEA, éteint le 8 août 2023 à Abidjan. Rappelons que la course à la succession de Bédié est lancé. Noël Akosi Benjo, Maurice Kakou, Tidiam Tiam, Jean-Marc Yassé brigueront la présidente du Parti démocratique de Côte d'Ivoire lors du congrès électif qui se tiendra le 16 décembre à Abidjan.